Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2, car la dernière fois, du coup, nous avons fait la chasse à l'animal légendaire partie 1. Donc, du coup, la dernière fois, nous avons fait... on avait fait le cougar, il me semble. Bon, attendez, parce que le jeu, je sais pas pourquoi, il me fait chier, là. Mais arrête de mettre sur la droite, voilà. Nous avons fait, du coup, le cougar qui était juste ici, et le bison, là. Attendez, merde, il était par là, je crois. Non, attendez, il était un peu plus haut, il me semble... Il est pas par là, ouais voilà, il était ici. Donc on avait fait le bison et le cougar, et maintenant nous allons partir pour l'antilope légendaire. Donc c'est parti, et selon mes sources, c'est pas très loin d'ici. De toute façon il va nous l'indiquer, hein, comme d'habitude. Attends doucement, parce qu'apparemment, c'est dans le coin. Ah voilà, on est entré sur le territoire d'un animal légendaire. Attendez, c'est pas ça là? Le gars à chaque fois, t'es direct, c'est ça quoi. Attendez, juste étudier ça. Ah bah d'accord. Attends mais capacité à se barrer, bon bref. On va pas s'éterniser sur les animaux non plus. Tout ce qu'on veut nous c'est l'animal légendaire. Alors attention, est-ce qu'il y a des... Il y a des animaux un peu partout là. T'arrives de pas se faire foncer dessus. Bon bah pour l'instant il y a rien. Ah voilà, la première piste elle est juste ici. Bon, attendez, on va ranger l'arme parce que bon... Sinon le mec là-bas il va faire hey, vous faites quoi vous? Merde, on est tu. Hop. Alors, bah même le cheval il a bugué dessus carrément. Hein. Alors ouais, examiner. Fourrure d'antilope. Hein. Ok, donc faut aller tout droit. Bon, je pense pas que j'ai besoin du cheval hein, honnêtement. C'est qu'une antilope après tout hein. Et là je rigole, l'antilope elle me... Elle m'encule sa grand-mère. Ok, deuxième piste ici. Juste y aller tranquillement. Bah, n'ayez pas peur. Bon, normalement, une antilope, c'est pas censé me causer trop de soucis comparé au cougar. Hein. Enfin, pas ce mytho, même au bison. Hein. Le bison, le truc qui fait 300 000 tonnes. Voilà, les excréments, comme d'hab. Ok, la piste, elle va par là-bas. Normalement, on a plus qu'à trouver. Voilà, le troisième. Bon, ça va, c'était vraiment pas compliqué celui-là. Hein. Un des animaux les plus faciles en soi à trouver. On prend un peu le jeune, ça tire bien. Hop, examiner. Fourrure, encore une fois. Ok. Bon, c'est là où on va commencer à sortir le snipe parce que bon... Sait-on jamais. Je rigole, en fait, le truc qui me fonce dessus. Encore plus agressif que le cougar ou le bison. Ah, la trace estompe. Ah, il est là, il est là. Ouais, ok, c'est lui. Voilà, bien, bien discret, John, t'as bien raison. Ça va? Merde! Ouais. Oh oh. Bon bah, tiens! Deuxième coup, deuxième coup! Ah oui, merde. Merde! Tiens! Voilà, c'est bon. Putain, j'ai eu de la chance, hein. Le truc est en train de se barrer. Ouais, je sais pas pourquoi le... Ok, donc j'ai niqué du sang froid, mais ça a pas marché, d'accord. Ouais, j'ai pas pu viser, j'ai pas compris. Putain, voilà. Putain, il est énorme. Attends, en plus, il est blanc, il est stylé, hein. Bon, bah... Bon, bah, évidemment, je vous ai parlé de la scène du... Du dépeçage, hein, bien sûr. Ah non, attendez, si je peux le prendre... En fait, le dépecer, à part avoir la viande et la fourrure, ça sert à rien pour moi. En vrai, si on peut faire comme le cougar, go faire ça, hein. Enfin, je suis là, mais... Bon bah c'est bon, pas besoin d'épargner la scène du coup. Hop. Putain le pauvre cheval. Mais non mais... Putain. Mais John, tu le prends et tu le mets sur ton cheval. Putain, qui le pauvre. Bah va bien Voilà, chargé. Ouais, est-ce que j'ai dû me gourer de tout, je suis juste à côté. Voilà. Et là on peut y aller. Bon bah voilà, du coup, premier animal légendaire de fée. Bon bah du coup, on va aller le... Évidemment, le ramener à... Au, pas au marchand, là, mais au... voilà, lui, là. Au trappeur. Alors, attendez, est-ce que je regarde sur ma carte d'à côté, mais il n'y a pas besoin... Enfin, il n'y a pas d'autre animal légendaire. Après, faut remonter plus loin. Enfin, plus haut. Donc du coup, en vrai, go finir la map de ce côté-là, parce que, bah, je pense honnêtement pas que je vais y retourner. Bon bah, attends, avant, on va aller, bah, du coup, par là... Parce que là, j'ai pas du coup le temps de trop visiter. Donc, on va faire un petit tour. On va visiter un peu plus sa map, parce que comme ça au moins, bah,
Ça sera bien complet. Bon, évidemment, je vous épargne ce moment-là, sauf s'il y a un truc de stylé qui se passe. Mais sinon, je vais bien vous épargner, ça vous inquiétez pas. Ok, c'est bon, du coup, je suis arrivé au trappeur. Voilà, on va évidemment bien enlever l'antilope. Hey, mon ami, comment vas-tu? T'es en train de m'insulter. Bonjour, j'aimerais bien vous vendre... Attendez, je sais pas pourquoi, des fois ça marche pas. Il est con ou quoi? Je veux vendre! Là, regarde! Là, je crois qu'en fait, je suis vraiment obligé de le dépecer. Je pensais que... Non, attendez, parce que la dernière fois, on avait réussi avec le cougar, là! Ah bah voilà, enfin, vendre! Oh la vache! On a mis du temps, hein. Ouais, bah ça, ça, voilà, hein. Là, je crois que j'ai enlevé deux trucs. Vente de gibier, ouais, ouais, vas-y, c'est pas grave. Voilà, ça. Vendre. Once in a lifetime, eh? Bon, ça aussi, hein, parce qu'on s'en bat les steaks. Bon, bah, le cadavre aussi, on s'en fout, hein. Après, il y a quoi d'autre? Ça, bois de serre. Bah ouais, hein. Les plumes aussi, hein. Ça aussi. Bon, ça, y a pas besoin. Ouais, puis après la viande, on s'en fout. Bon, ok, bon, bah du coup, ça c'est bon, là, enfin vendu. Ça, je pensais que j'allais jamais réussir à le vendre, le bordel. Du coup, animal suivant. Bon, du coup, le prochain animal légendaire, apparemment, c'est un cerf. Donc, bah, on va y aller tout de suite, hein. Bon, allez, salut, hein. Ah, ça y est, on est rentré sur son territoire. Alors, non, par contre, j'aimerais bien prendre le snipe, ça serait cool. Parce que, bon, c'est un cerf, quand même, hein, donc on va éviter de... Puis, je crois qu'il n'y a pas qu'un cerf, ici, parce que je viens de me faire agresser par un cougar, donc, bon... Alors, alors, attendez, non, c'est pas l'herbe qu'on veut voir. C'est... ça. Fourrure de cerf. Bon, ça, le truc, il est pas long. Alors, par contre, attendez, c'est quoi, ça, là-bas? Oh, ça va, c'est les sangliers. Vraiment, les sangliers, ils ont peur de nous quand on s'approche. En tout cas, avec le cheval. Enfin, je sais pas si c'est... ça marche. Ouais, voilà, allez, cassez-vous. Alors, examinez les excréments, forcément. Ok. Ah, donc apparemment, il est par là-bas. Bon, je doute que ce soit les petits machins qui soient là. Ah ok, la troisième piste est par là. Ok, c'est vous là les renards. Si vous voulez pas que je vous bute. Ok, troisième piste. Et dernière. Encore les escrocs. Oh putain, il fait que chier ce cerf, c'est pas possible. Ok, alors. Forcément, faut que ça soit dans la forêt, fait chier. Non, c'est chiant parce qu'en plus il y a les autres animaux, du coup ça pourrait nous brouiller la piste. Pas nous la brouiller, mais ça pourrait nous induire en erreur. Bon, ça va, heureusement que le truc est jaune quand même. En vrai, parce que là, vu que c'est un cerf, j'ai pas envie de le... Ouais, c'est bon, j'ai mis le snipe. Il est bien chargé, ouais, c'est bon. Oui, ok. Ah bah, c'est pas lui, là. Tiens. Ouais, c'est bon, il est mort. Voilà, ça dégage. Bon bah voilà, c'était pas compliqué, finalement. Il suffisait juste d'attendre qu'il était un peu loin, puis voilà, c'était bon. Il suffisait juste de le repérer. Ben voilà, impeccable. Allez, viens là. Hop. Bon, le cheval, il se ramène ou quoi, là? Attends, est-ce que du coup, un trappeur, mis à part celui qu'on a vu tout à l'heure, normalement, il y en a un autre, je le sais. Ah oui, voilà, il est ici. Bon, en vrai, moi, j'irais plus vers lui, parce que même si c'est plus loin... Enfin, quoi que je dis ça, mais... Ah oui, bah non, c'est carrément plus près. Oui, bah, oui, bah voilà, double raison. Parce que du coup, celui-là, il va nous ramener plus vers les autres animaux légendaires, donc on va faire une paire de coups. Et voilà. Allez, c'est bon, on peut se tirer. On peut aller vers le trappeur. Enfin, on va déjà si on trouve une route. Attends, c'est vrai que c'est un peu le bordel ici. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est bon, on va y arriver. Dégage. Bonjour, j'aimerais vous vendre ce magnifique cerf légendaire en plus, attention. Alors, tac, tac, tac. C'est un légendaire. Bah, c'est parti. Hop! Ça, c'est quoi ça? À pas herbivore? Ouais, bah non, ça, on va garder, bien sûr. Puis, bah, c'est bon. Bon, bah, ok. Le cerf, c'est bon. Oh, chasseur grand rang.
Vifcer dépecé 3 sur 3. Bon, bah d'accord. Thank you. Ok, impeccable. Bah de rien. Ensuite, cible suivante. Enfin, cible suivante. Donc, du coup, le cerf, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus près? Parce que là, du coup, sur la carte, on a le choix entre soit aller par là, c'est là où il y en a le plus, soit du coup aller par là. Parce que du coup, ici, normalement, avec Arthur, on avait déjà voilà, chassé le bison légendaire. En plus, on n'avait même pas fait exprès, on a vraiment atterri sur un truc, on a fait attendez, c'est bizarre ça. Et du coup, j'avais vraiment réussi à le niquer. Par contre, je crois que le mouflon, on n'avait pas réussi. Attendez, parce que du coup, la ville est là. Ouais, le mouflon qui est là, qui n'est pas buté. Ok, bon bah en vrai, allez, on va dire un dernier pour la route. Bon, en vrai, j'avoue, il est un peu loin, mais bon, de toute façon, bah après, ça nous rapprochera des autres, hein, remarquez. Allez, c'est parti, bon, ça va, heureusement qu'il n'y a pas la partie trajet, hein, vous avez de la chance. Attendez, je suis allé sur le tétan animal légendaire, ici, là. Ah oui, ok, parce qu'en fait, on est dessus, ok. Bon, attendez, parce que du coup, apparemment, c'est là. Oui, bah ça, on calme-toi, ça va aller. Attends, calme-toi, ça va aller, voilà. Alors, mon petit John, si tu pourrais évidemment prendre de quoi buter l'animal, ça m'arrangerait. Ah, voilà, c'est bon, il y a les deux armes. Alors, évidemment, on attache le cheval nulle part. Ah, voilà, le truc est juste là, impeccable. Alors, excrément, bah oui, forcément. Hein. Comment de mouflon? Alors, mouflon, vu que je sais pas ce que c'est, on va... Bon, bah, comme d'hab, on va se méfier, hein, mais... Oula, je me fais emporter par la rivière. Ça serait un peu chiant quand même. Ok, le truc est là-bas. Allez, vas-y, cours un peu, mon John, là. Ah, trace sur l'arbre. Oula, déjà, quand tu as des traces sur des arbres, c'est pas très... Ouais, bah, c'est pour ça, on va bien sortir ce qu'il faut. Ah, moi, avoir peur. Ah, non, mais n'importe quoi. Ok, bon, le troisième est juste là. À mon avis, il devrait pas être loin, le machin. Excusez-moi, vous êtes le mouflon? Non, pas du tout, c'est une biche. Excusez-moi, vous êtes un mouflon? Ah oui, c'est un mouflon. Ok, donc ça ressemble à ça, ok. Ouais, donc ça a quand même des cornes, donc on va faire gaffe, hein. Évidemment, non, je m'en bats les couilles de la plante, moi. Attendez, il est où le bordel? Ah, il est là. Alors, fourrure. Fourrure de mouflon, bien sûr. Non. Allez, maintenant, ils auraient pu trouver de loin. Je rigole, c'est vraiment genre le mouflon que j'ai vu tout à l'heure. Alors. Est-ce que vu qu'on voit rien avec les putains de plantes... Bon, allez, John, là, fin d'y fort. Oh, puis en plus, il y en a plein là, c'est chiant. Bon, remarquez, ça rajoute de la difficulté. Parce qu'en fait, il y a plein de mouflons, mais on sait pas c'est lequel le bon. Alors, il suffit que je tape dans le mauvais. J'aurais pas l'air malin, moi. C'est à tout moment, je me fais charger par un d'entre eux. Hein. Oh, bah là, s'il est en contrebas, moi, ça me va. C'est pas lui, là, le gros machin, là. Mouflon légendaire, ouais, c'est lui. Oh, attends. Tiens! T'en veux un deuxième? Tiens, les touches dans ta gueule et voilà, c'est terminé. Tu ne peux rien faire. Oh, attends, parce que si lui il me charge là. On a rien contre toi, Pélo, mais hein. On sait jamais. Non, y a plus personne d'autre. Vous me dites, hein, moi sinon je suis là. Hein. Allez, viens là, mon gros. Hop. Bon, attendez, par contre, je vais pas appeler le cheval parce que s'il se casse la tronche. Ah voilà, mouflon légendaire, mais les gars, je suis trop fort en fait, je suis le roi des animaux légendaires. Bon bah voilà, allez, bon bah du coup, go retourner au trappeur. Hop là, bonjour, du coup, je viens vous vendre un énième animal légendaire. Putain, il doit être content le gars à la fin. Cadavre de mouflon légendaire. Et bah c'est parti, hop là, comme s'il va pouvoir bien... Il va pouvoir bien nous... Voilà, nous confectionner des vêtements, bien sûr. Bon du coup, le prochain objectif... Ça serait d'aller, bah, de remonter en haut du coup, vers le loup, ouais, vers le loup légendaire qui se situe, bah, très loin, fait chier, voilà, qui se situe exactement ici, bah, du coup, on ira la prochaine fois parce que là, tant que j'y aille, je vais encore perdre 200 millions là. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher le plus possible, puis comme ça, bah, quand je referai une vidéo la prochaine fois, bah, on sera déjà prêt à attaquer l'animal, quoi. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Et ben voilà, nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2, la chasse à l'animal légendaire, partie 2, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, allez, à la prochaine, bye bye.